Et la sérénité, lui aussi, il l'a trouvée, même si le temps est long. Nous poursuivons notre rubrique Parole de confiné avec celle d'un Ariégeois. Fred fonce est tout seul chez lui et vous êtes nombreux dans ce cas-là. Écoutons-le. Bonjour, je m'appelle Fred Fonce, je suis développeur web et je suis confiné tout seul à Foix, en Ariège. Le confinement me semblait une épreuve facile à surmonter puisque le télétravail, je le pratique depuis 20 ans. Mais bon, le temps commence à être long, les cheveux poussent, la barbe aussi, mon appart est nettoyé, tout est rangé. Maintenant, il serait temps que ça finisse. Alors heureusement, j'utilise les réseaux sociaux pour garder du contact avec les amis ou faire des publications quotidiennes sur mes états d'âme en tant que confiné. Donc j'ai compté les grains de riz, j'ai compté les pâtes dans les paquets. Tout ça pour garder quand même le sens de l'humour, ce qui est important. Nous avons la chance d'avoir des outils de communication qui nous permettent de rencontrer des gens virtuellement et en direct. Mais le contact humain reste quand même à privilégier. J'espère que nous sortirons de cette épreuve en prenant conscience des choses importantes de notre vie, que nous sommes entourés de beaucoup de futilités et qu'il serait temps peut-être que nous revenions à des choses un peu plus essentielles. Et pour ceux qui veulent un peu de compagnie, dès jeudi, malgré le confinement, vous pourrez donc aller dans des refuges pour adopter